Dans cette troisième situation, le rat ne peut pas fuir. Il va donc recevoir toutes les punitions. Mais il sera en face d'un autre rat qui lui servira d'adversaire. Et dans ce cas, il va lutter. Cette lutte est absolument inefficace. Elle ne lui permet pas d'éviter la punition. Mais il agit. Un système nerveux, ça ne sert qu'à agir. Ce rat ne fera aucun accident pathologique de ceux que nous avions rencontrés dans le cas précédent. Il va être en très bon état, et pourtant, il aura subi toutes les punitions.